en 20 ans, l'art est devenu de plus en plus professionnel, disons. C'est-à-dire que maintenant, les choses sont très codifiées, que les jeunes artistes pensent toujours beaucoup à la vente, aux galeries, qu'il y a de plus en plus de foires de l'art. C'est devenu une occupation qui est comme une autre occupation. Ça fait 20 ans, on se parlait énormément dans des cafés et on refaisait le monde et le monde de l'art et on cherchait de nouvelles manières de faire fonctionner des expositions. Et puis on a pensé à cette exposition Take Me and Murals dont la règle était d'avoir de bouger deux interdits, un qui est qu'on n'a pas le droit de toucher les œuvres dans les musées. Et deuxièmement, qu'on a encore moins le droit de les prendre. Take Me I'm Yours was born out of my conversations with artists. The whole dialogue started with Gilbert and George over their concept of art for all. This became the exhibit's point of departure. Boltanski spoke to me about a work that he was creating here in Paris on Quai de la Gare. The entire exhibit consisted of a single sculpture in the form of a giant mountain of clothes. The sculpture was neither definitive nor untouchable, as is generally the rule in museums. On the contrary, visitors were invited to remove the pieces and take the clothes. And, from time to time, the artist brought more supplies to the mountain. C'était un climat assez différent d'aujourd'hui, ce qui était un climat de désir de changement, de désir de travailler dans des lieux qui n'étaient pas des lieux culturels habituels. Et si on a pensé à le refaire cette année, c'était la monnaie et que la monnaie m'intéressait comme lieu, parce que la monnaie est une chose d'échange et une chose d'échange qui n'a pas de valeur sentimentale. The goal of Take Me I'm Yours is to authorize everything that we neither have the habit nor the right to do in a museum. Visitors react in a completely different way with regards to the artwork. It's exactly this aspect that interested Christian Boltanski and myself from the very start. It's about having unusual experiences at an art exhibit. Donc il y a une lecture qui est, disons, une lecture ludique et l'idée de l'échange et d'un certain jeu, comme il y a un jeu de société. Et là, il y a ce jeu de... Oui, de s'amuser. S'amuser dans une tradition qui est à la fois dadaïs et fluxus. The most important thing is to recognize the rules of the game, and this leads to conversations with the artists. There's also this idea that the artwork is a flow, it goes through transformations, and this is still important 20 years later. And it's no coincidence that a new generation of artists, curators, but also institutions, like the Monet de Paris and its young director Chiara Parisi, took the initiative to redo this exhibition with a new angle. Take Me, c'est plutôt un mélange des générations et des comportements différents. Chaque œuvre, elle a une âme particulière. Hein. Chaque œuvre, il suivra vraiment sa nature. Elles ne sont pas toutes pareilles. Take Me I'm Yours prend tout son sens à la Monnaie de Paris. La Monnaie, c'est un très beau palais 18e, mais c'est surtout une usine. Hein. Donc chaque jour, on frappe les euros, la monnaie courante. Tous les artistes l'ont fait, de nouvelles productions, dans l'idée de l'échange, pas uniquement monétaire, mais intellectuel, de l'interaction avec le public. Dès que les visiteurs entrent, on monte l'escalier d'honneur et là, il y a des palmiers, donc c'est les projets de collaboration entre Sarah Altmaier et Kerstin Bratsch. Et disposé sur ce tapis roux, cet escalier magnifique, et des œufs. Les œufs que les visiteurs ils peuvent prendre. Ils
Sur la première partie de l'escalier, tu as l'arbre très chargé de Yoko Ono. C'est un de ses œuvres plus célèbres. Il y a des étiquettes qui sont laissées à disposition des visiteurs. Et les visiteurs donc laissent son souhait qu'il doit accrocher sur cet arbre. Les messages s'appellent à l'augmentation des salaires, à une rencontre, donc en toutes les langues confondues. Il y a cette petite plaisanterie à la fiat qu'il faut acheter et à la monnaie il faut prendre. Donc il y a ce côté un peu, les jeunes artistes sont comme des traders, les écoles d'art apprennent à parler aux marchands. Donc tout ça est un peu contraire à ce que j'ai appris. Et puis il y a une autre réflexion qui est là plutôt liée à l'idée de relique. Qu'est-ce que c'est qu'une relique ? Je pense que la religion et les arts plastiques sont des choses très très parallèles. Et qu'aujourd'hui, les princes ne font plus d'église, ils ne font plus de cathédrale, mais ils font des musées. Toutes les grandes villes d'Europe sont nées avec un petit bout d'os d'un saint, et puis des gens venaient prier, et puis il y avait une foire et les villes naissaient comme ça. Et aujourd'hui, ce qui a remplacé cela, c'est les musées. Il y a de toute façon un fonctionnement religieux dans l'art. On pourrait refaire les Van Gogh exactement à l'identique et d'en avoir des millions semblables, mais ça ne marcherait pas parce qu'il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie, voir l'œuvre 5 minutes et être béni par l'image que le grand saint nous a laissée. Et donc, par exemple, il y a cette chose qui est amusante, c'est que Feldman a fait des cartes postales qui, en tant que telles, sont exactement les mêmes qu'on peut trouver dans la rue juste à côté. Mais si elles sont mises dans un paquet avec marqué « Take me I'm yours », elles sont de nouveau bénies. Ou elles sont bénies financièrement peut-être, et en tout cas, elles sont un petit peu sacrées. Great believers in that other great exhibition that goes out, like the badges, or when we have exhibitions in London or Paris, we arrange posters. We love that. Art for all. It's very interesting because the first badges that we ever did was in 1969 in St. Martin's School of Art. That's when we tried to create an artwork, a show, that, and we wanted everybody to come to see it. So we made special badges. And they were very successful. Everybody came to see it. In some way, we always like to do confrontational art. We think there are kind of new Ten Commandments. Our first Ten Commandments for us. Were for us, but these are for you lot this time. Fellatio for All is quite famous as well. All the men say, I like that one most, fellatio for all. We say, are you thinking of yourself or of others? Because it depends. Make cunnilingus compulsory is also very popular.
We know when it works with the vast general public, when we get the comments from people outside of the art world. Recently, on our main street, Commercial Street, a huge truck going down to the docks slowed down as he passed us. And this middle-aged, shaven-headed lorry driver said, "Oi, my life's a fucking moment. Your art's an eternity," and drove off. And we think that's it. That's the meaning of life. It's speaking. That's the meaning of art. Changing life. We want to be what they call at the forefront of a new morality, how to behave. We want to make an art that can live forever in the minds and lives of people. We say to our young friends, we want to be immoral. And they say, don't you mean immortal? We say that too. Chaque œuvre est vraiment relationnelle. Il faut que vraiment s'actionner, soit vécu dans les spectateurs, dans les visiteurs. Donc, et moi je trouve que le dispositif est vraiment, ça fait tout de suite envie. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière du tout. Le projet de Jonathan Horwitz est un flea market. Les visiteurs arrivent, ils voient ses bases avec des signalétiques très claires où il peut déposer ou prendre des objets. Et donc, les objets s'accumulent. Take Me Home, c'est assez étonnant parce qu'on voit aussi les passages d'un certain type de public. S'il y a des scolaires qui sont passés, ou il y a le nocturne avec les étudiants, ou il y a un public plus âgé ou plus jeune, on voit la typologie parce qu'il laisse ses signes dans les salles. L'air qu'on partage, les distributeurs des capsules d'oxygène. Toujours cette idée complètement ouverte, merveilleuse, poétique, l'air est distribué pour tout le monde, mais tu dois l'acheter, et même ça, donc c'est son observation par rapport à la société contemporaine, que tu dois aussi acheter l'air que tu peux respirer. Bonjour. Je peux vous parler de la performance qui s'appelle Swap. Oui, bien sûr. En fait, depuis le début de l'expo jusqu'à la fin de l'expo, on fait du troc avec le public, avec ce que vous avez dans vos poches, dans votre sac, mais qui ne vient pas de l'expo. Et Roman Ondak, c'est une salle vide, mais il y a la présence humaine. C'est l'alter ego de Roman Ondak qui est là. Donc, c'est un acteur formé par Romain. Il parle avec les visiteurs en lui demandant quel objet il voudrait troquer avec l'objet que lui a en ce moment. Il y a cet échange et il y a une longue conversation qui se crée entre les visiteurs et donc l'acteur. C'est un salon qui a voyagé dans la région. Et je l'ai acheté en fait à Naplouse, qui est une ville dans le nord de la Cisjordanie, et qui est réputée, outre pour être une des plus belles villes au monde, aussi pour être une des premières villes où on a créé le savon. Donc je l'ai trouvé dans un vieux magasin qui était une vieille savonnerie qui datait de l'Empire ottoman. Et voilà. Et je me dis qu'il doit continuer à voyager un peu. Donc je le troque. Bah ouais, ça me va carrément, je trouve ça trop bien. Ouais. Ouais. Par contre, bah après maintenant je vais le troquer avec quelqu'un d'autre, donc c'est définitif et vous l'aurez plus. Okay. Par contre, vous avez le livre définitivement. Merci. Bon voyage. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Bonne expo. Gustav Metzger, il a dessiné la salle de la presse, qui c'était au cœur vraiment du parcours de Take Me Home. Donc on a cet énorme tas de journaux. Tu as des ciseaux. Les visiteurs les font son quotidien, interaction avec d'autres, sur les trois sujets importants pour l'artiste. Donc par exemple la planète, l'économie et l'interaction avec les autres. Donc chaque pièce, en effet, et ça on voit avec le public chaque jour,
Il marche très bien parce que le public, il sait, il discute avec l'artiste. C'est pas crypté du tout, c'est pas du tout... C'est conceptuel, bien sûr, mais c'est pas du tout mystérieux. C'est vraiment les artistes, ils parlent avec eux, les statements sont très clairs de chacun d'entre eux. Les modes d'usage sont très clairs. Je suis un grand amateur de ce qu'on appelle aujourd'hui des outsiders. Et je crois que s'il y a un regain d'intérêt pour les outsiders aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils étaient peut-être des artistes plus authentiques que les artistes d'aujourd'hui. Et en tout cas, je ne souhaite qu'une chose, c'est d'être un outsider. Et la pire chose qu'on peut dire à un artiste, c'est qu'il est professionnel. Je vis avec notre culture, nos religions, notre histoire. Et c'est assez lourd à porter, je peux t'assurer. Toi, tu es capable d'apprendre le langage des signes, mais tu ne racontes jamais d'histoire. Toi, tu n'as pas l'œil expert, mais l'œil innocent. Et tu peins des tableaux. Tu n'as pas fait les beaux-arts. Tu ne connais rien à l'histoire de l'art. La Biennale de Venise, tu n'as rien à faire. Tu es un artiste naïf. Un outsider, ton moteur pour faire de l'art, c'est le simple plaisir, l'acte de faire. Quand je vois ton visage, même naturalisé, mort comme tu es là devant moi, notre ressemblance me fait basculer. Il y a une chose qui est pour moi principale, qui est la générosité. Je veux dire, ces artistes qui se sont donné de la peine, qui ne touchent rien, qui ne gagnent rien en faisant cela, et qui donnent. Et je pense que là encore, l'art d'aujourd'hui est de moins en moins généreux. Et qu'il faut retrouver cela, retrouver ce plaisir de partager, ce plaisir de donner. Il y a Félix González Torres dans l'exposition, qui est un artiste que j'adore, que j'ai bien connu. Et il est sûr que, par exemple, ces bonbons, ces tapis de bonbons comme il a fait, c'est vraiment l'idée de l'Eucharistie. C'est des milliers de bonbons qui forment plus ou moins son propre poids, et chacun peut en prendre un ou plusieurs, et donc c'est vraiment le partage de son corps. Ich dachte nicht ans Partizipative, ich dachte an das Verdauen von Kunst. Es ging mir darum, gewisse Dinge zu überwinden. Manche meiner Bankette haben diesen Aspekt, dass man das etwas Ungewöhnliches sich überwinden muss, um es zu essen. Ein Skelett
naja, den Tod, Essen, das ist ein bisschen schwierig manchmal. Aber man überwindet sich leicht, wenn man merkt, dass es Zucker ist. Natürlich partizipiert man, aber das Wort Partizipation habe ich nie gebraucht in dem Sinn, weil sie sowieso ganz automatisch war. Wenn wir es frei zum Verzehr geben, dann wäre in einer halben Stunde nichts mehr da. Also kann man nur kleine Versuche machen und am Schluss wird man es aber dann aufessen. Die letzten zwei Tage vielleicht. All my collective exhibits that evolve in time are learning systems. It's never about rebuilding something from the past, but rather learning something that's about today. And every time an exhibit takes place in a different city, we learn more from it, thanks to its evolution in time. The idea of the work is that whenever you have some connection with object or somebody, then it will be the gate to discover something else. So I wanted to open differently through the promenade with the dog to bring company to walk around and to go out of museums instead to stay in the museums. I think about a lot of discussion around overvalued objects on artwork, in artwork. So I was thinking about to make some project which is not related to the object, but some valuable artwork that is created but not possessed. Nobody can own something. That was a very clear idea to the Take Me, I'm Yours exhibitions. Je pense que c'est un malheur que l'art soit tellement lié aujourd'hui à l'idée de la valeur et de l'objet qu'on peut accrocher quelque part. C'est de regarder un tout petit peu d'une autre manière et de montrer surtout qu'il y a d'autres possibilités. À la fin, tout le monde va recevoir un sac marqué « Take me, I'm yours » et il y aura tous les objets qu'il a pris qui seront mis dans ce sac. Et donc, il pourra refaire l'exposition chez lui. C'est-à-dire que ce sac sera une sorte de kit de l'exposition. Donc, s'il veut, il met en scène tous ces objets qu'il a ramassés et refabrique l'exposition. Donc, c'est sans fin.